Yup, mes loulous, c'est tonton Tomic. Et désolé pour la dernière vidéo, il n'y a pas ma voix. Je me suis aperçu que le micro était coupé. Dommage. Ça m'arrive pas souvent, voire jamais. Mais là, je devais être trop pris dans le jeu, tant pis. En tout cas, on est reparti. On est reparti, on est reparti. Et là, on est équipé, mais comme un gros porc. On a du gros flingue. On a de la grosse puissance de feu. Donc ça le fait. Je garde quand même pour l'instant ma première version, même si j'ai un nouveau gun. Franchement, celui-là, il fait encore un peu plus mal. Donc, où qu'on en est, parce qu'on est passé de l'autre côté, c'est bien. Well. C'est bien là. Cartouche de fusil emballée. En vérification quand même, qu'on n'est pas à y retourner. Si, il y a encore un truc. Est-ce que j'ai raté? C'est quand même pas la lecture de ce truc-là. Ça m'aurait étonné. Un truc au plafond, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qui brille? Non. Ah. Rien à bouger, on a rien tiré là. Un truc planqué sur les étagères, non? Attends. Oh non, y a rien. Sauf ça. Non. Là. Étagère au-dessus, non, il n'y a pas d'interaction. Que dalle, que dalle, que dalle. Oh! 500 boules. Et voilà. Alors du coup là je peux déverrouiller non? C'est verrouillé de l'autre côté. Non, c'est verrouillé de l'autre côté. Ça m'énerve. Merci. Et Beneviento, ce serait pas plutôt par là. Ah, mais dis donc, mais un truc à faire par là. Mais je peux pas aller par là. Merde, je suis con. Oh là là là. Mais je suis passé un nombre incommensurable de fois devant ce truc-là. Et j'ai même pas capté, quoi. Incroyable. Donc là, on fait le tour. Mais Beneviento, mais c'est carrément l'endroit cauchemardesque là avec la maison de poupée et tout.
je crois. D'accord. Attends. Il y avait deux clés qui étaient combinables, je me rappelle. Clé, non. Okay. Ce sera pas ça, hein. Mais bon. Ok. Donc non, ce n'est pas pour tout de suite par ici. Par contre, ici. Un collier incomplet. Il y a une chèvre dans le coin. Elle est où? Elle est là-haut. Hop. Ok. Méfions-nous. Il y a de la chair hein, dans le coin. Hein. Il y a de la poule aussi. Désolé, poulette. Boum. Ça s'arrête là, la petite balade. Ok. Ah, dans l'église, il y avait aussi un truc à faire, mais je sais plus ce que c'était. Ok, il y a une sauvegarde ici, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas pour le temps que ça prend. Ah mais non, mais je savais, j'avais pas vu ça. Infiltration du visage, affrontement avec plusieurs zombies biologiques, découvert de preuves, base établie dans l'église, pour faire une fouille de laboratoire, analyser les échantillons, tout ça, machin. Rien d'autre là. Dans les balles, il n'y a que dalle. J'aurais fouillé, hein, les trucs militaires, tout ça. Oh. Salut, toi. Ok. Bon, ben, c'est tout bleu aussi. Attends, 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 il y a un truc tout rouge derrière. Qu'est-ce que j'ai raté ici aussi?
Ça m'a étonné aussi. Un truc au plafond. Je vois pas. Ça pourrait être sur le toit. Voir derrière le tas là. Ouais. Ouf. Non, il n'y a rien planqué. Dommage, j'ai gâché. Alors, peut-être que c'est à l'extérieur. Sous les combles. C'est un comble. Oh, salut vous. Voilà. Et vous posez un petit peu là. Ok, il y en a qui se pose. Boum. Oh non. Oh, pour la foirade. Voilà. Ok, bien. Alors ça m'explique pas pourquoi ici c'est toujours rouge. Et ça me stresse. Oh. Putain. Tout bêtement. Ok, ben donc du coup je suis pas retourné par là, ouais, il y a une baraque là-haut. La baraque qui avait cramé ça. Et en effet. C'est pas mort. Ok. Par contre, la thune de tes potes là, que j'ai descendu, ce serait bien que j'aille le chercher. Ouais. Allez. Ah. On m'appelle Monsieur Porc. Oh, mais sérieux? Et qu'il est costaud, hein? Viande de qualité. Allez, une bombe tuyau, c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Alors là. Pardon, je n'avais point vu. Qu'est-ce que j'ai chopé là? Pardon, 30 balles de pistolet, grenade explosive. Oh, c'est pas rassurant du tout, tout ça. 30 balles!
Incroyable. Je sens le truc qui pue, quoi. Ah, ce point-là, au fond, là, il me stresse. J'allais dire, bah, du coup, il n'y a rien d'autre. Ils ont filé quand même pas mal. Mais ça fait pas avancer le schmilblick. C'est ça qui m'embête. Mais non, mais de toute façon, ça c'est bon. Alors, c'était un trésor ici. Ok. Cette barre éclair, là, je suis pas allé dedans. Alors comment qu'on fait pour y aller? Il faut repasser à l'intérieur de celle-là. En espérant qu'il y ait une sortie. Ça n'a point l'air. On peut pas trop y accéder et pourtant derrière quand tu vois ça, attends, ça se pète pas par hasard. Non. Misère. Allez, on est d'accord, c'est Keblo. Pas passer par le dessus? Oh, je me suis tout simplement, tout connement. C'est vrai, cartouche de fuse. Ok. Bon, bah alors là. Maintenant. Aïe. Bon. Donc là, tout le coin du haut, c'est bon, c'est fait, c'est géré, hein. Alors attends, oui, j'avais quand même chopé un collier dans mon inventaire. On va l'examiner. Collier incomplet. Carte au trésor, bah ça on l'avait fait. Le collier de Louisa. Ah, voilà. Alors, du coup, c'est quoi que j'ai chopé? C'est pour... Ah bah voilà, pierre de collier. Bah, je peux pas le combiner. Bah écoutez, mystère et bulle des gommes pour le moment.
T'es sérieux, il y a autre chose dedans? Ah ah. La clé de chez Louisa. Alors ça va se trouver où chez Louisa? Câble par ici, on va passer par là et on va redescendre. J'ai toujours pas trouvé comment l'ouvrir cette merde là. Encore une sale bête là dans le coin là. Ça faisait pas tout à fait le bruit d'un corbeau là. Je le vois pas. Je l'entends, je le vois pas. Bon, c'est pas. Il me fout la paix pour le moment. On va lui foutre la paix aussi. Louisa, Louisa, Louisa. C'est peut-être ça. C'est très certainement ça. T'es sérieux? C'est pas ici qu'il fallait mettre une clé. Alors en bas à gauche là. Alors, on refait le tour. C'est reparti. Juste avancer le chemin public, mais dans l'histoire, quoi. C'est luche. Ok, restons concentrés. C'était quoi ce point d'exclamation? Je sais plus. Et attends, il y avait une petite clé, ça serait pas le coffre? Oh. Ok, ça va être un trésor. Ah mais si, le point d'exclamation, mais c'est tout à fait ça. Je me souviens, il fallait aller à la manivelle. Donc attention. Va peut-être bien y avoir du monde. Connaissant les petits loulous. Oh, ça passe, ça passe. Oh non, me dis pas que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas la bonne manivelle. Bon, déception. Amère illusion. On se refait une petite balade. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici déjà? Ça semble familier.
C'est tout ce qu'on aura comme indication. Ouais, on sait rien ça. Ok. Tiens-nous. Rien quand on est là, franchement, waouh. Le truc de fou. Quel jeu de fou, tout bêtement, tout basiquement. Ok, ce coin-là, c'est fait. Là, il me faut une clé, là, il me faut une clé, donc j'ai pas le choix. Mais attends, est-ce que la clé Louise ne marcherait pas non plus en bas là? Paumé, paumé, paumé. C'est un passage ici. Verrouillé depuis l'autre côté. Et bien sûr. Pourquoi c'est verrouillé d'ailleurs? Pourquoi j'ai pas ouvert moi? Voilà, boum. Ouvrez-moi tout ça. Bon, le truc c'est qu'il n'y a rien de plus, hein, il n'y a pas de passage. Hein. Enfin si. Carrément même. Je crois que c'était pas un... Non, pas du tout, à l'inverse. Du coup, j'ai assaini le village, hein, pour le moment. Du coup, fallait que je monte là. Voilà. J'ai envie de pleurer. Oh, mais oui. Dis donc. Et on a des poules. Chasse à la poule! Ah, rien donné? Ah si. Clic. La main du cristaux. La poudre noire.
coup, je débarque là. Je suis perdu. Je suis revenu là. D'accord. Non, non. Il y avoir un moyen d'y entrer. Par le toit. Y aura un trou. Oh oui, carrément. Carrément. Allez, zou. Ok. Le 1er février, deux chèvres ont été sacrifiées pour Mère Miranda. J'ai offert un à la Mère Miranda. Elle m'a donné une liste de médicaments et d'objets à lui fournir dans les prochains jours. Pourquoi faire? Je suis sans nouvelles de Mère Miranda. Le bétail fait un vercame de diable. Quelle expression. On m'a dit d'apporter les objets d'église rupestre à Molo, mais ce que j'ai vu là-bas était effroyable. Les quatre nobles étaient là et Mère Miranda avait un bébé dans les bras. Elle a murmuré quelque chose avant de toucher le visage de l'enfant. J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé, mais le bébé s'est transformé en un cristal blanc. Ensuite, elle l'a. Pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle avait fait une chose pareille. Mère Miranda alors sourit. Cet enfant est l'élu, elle reprendra sa forme d'origine, peu importe ce qui lui arrive. Ensuite, elle a confié à chaque noble un bocal contenant un morceau de cristal et ils sont partis. J'ai pris mes jambes à mon cou en oubliant même de saluer Mère Miranda. J'entends mon corps. Qu'a-t-elle fait? Qui est cet enfant? C'est ma mienne. Et voilà. Ah d'accord. Ben voilà la clef. Je dois retourner voir le duc. Et où la chèvre? Ah, ça rend fou. Si elle se trouve à l'extérieur. Attends, je regarde si j'ai rien oublié. Tiens, tiens. C'est bleu. C'est bleu, bleu, bleu. Je sens qu'il va y avoir de la derme. J'y crois pas, les roues. Eh oui! Je deviens fou. Pas l'ouvrir. Ça semble être juste là au-dessus de ma tête, quoi. Ouais, si ça se trouve, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Attends que je remonte.
Bien joué, bien joué. Ok, j'ai la bonne clé. Donc du coup, maintenant... On va descendre par là. Chaque fois, je me fais avoir. Punaise. Après, on passe par là ou pas? Non. Je me suis encore fourvoyé. Contre la clé, ça n'a rien à voir avec la baraque. Vu que je suis juste à côté, autant le faire maintenant, hein, mais je pense pas. La baraque du luthier. Oh ben non, c'est toujours avec l'oncle Fergé qui me propose, donc c'est non. Mais à gauche, c'est bloqué aussi, je crois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Attends, où est-ce que je me suis abusé? Oui. Tout à fait. Bon, après tout ce qu'on a fait, on a mérité une petite sauvegarde, hein. Ah bah, en plus, il fallait que je tombe vers le duc, Alors, donc voilà. avez-vous appris quelque chose? J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve? Il y en a quatre au total. Vous en avez un. Les autres nobles ont le reste. Nobles? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. Quatre nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. On l'a connue, oui. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento, elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Alors ça va être trop bien, ça. En VR, c'est le vraiment le troisième est truc. Moreau, un être Quoique. difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait... Disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Je crois aussi. Alors, avec tous les petits trésors, et donc j'en ai trouvé un. Et donc voilà, les trois maisons qui restent, et pas des moindres. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord rassembler les quatre bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. C'est gentil, c'est gentil. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Bah, on a commencé à se servir. Pourquoi ouais. vous faites tout ça? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Alors. Vous cherchez quelque chose en particulier? On sait jamais Heureusement, vu vous que. êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi.
Ah, ça y est, la cuisine, c'est parti. Alors. Je peux pas faire. Ça, je peux faire. Réduire les dégâts subis lorsque vous vous protégez. Ouais, bah ouais, mais je me protège jamais. Ça, je pourrais le faire aussi. Augmente légèrement votre vie. C'est pas mal. Ça, c'est pas suffisant. Vitesse de déplacement, ça, c'est cool. On va se remettre un peu de vie, je crois. Hein. Après, ça aurait augmenté grandement ma vie. C'est con. Donc juste une petite viandasse, quoi. Bon. Légèrement la vie. Alors, faut le faire à main nue. Continuez comme ça. Merci. Plus qu'à cuisiner. Désolé pour l'attente. Voici votre part. Merci. Pas mauvais du tout. Bon bah je reviendrai. Ça fera sûrement un bon repas. Quoique, attends, j'ai encore des trucs à vendre, moi, ça, j'avais zappé. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Attends, attends, je vérifie toujours, parce que... Trésor... Objet de valeur... Objet de valeur... Le collier est incomplet, ben ça va attendre, ça va attendre, la pierre de collier aussi ça va attendre. Quoique, ça peut être combinable. Ah oui, non, c'est pas combinable ça. Ok. D'accord. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, comme on dit. Objet de grande 19 000 balles, je l'avais même pas eu. Watch out! Splendide! Connaissez-vous sa valeur? Oui. Je suis remonté à 73 000. Pas moche. Alors maintenant, c'est vrai que je pourrais augmenter la surface encore, hein, mais c'est 30 000 balles quand même. Trente mille balles. Le fais-je pas. Parce que quand on va tomber sur les nouvelles armes, on sera bien content de les trouver, les thunes. Ah non, je le fais pas. Allez. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Alors, normalement, c'est la bonne. Yes. Ben, je dis yes. Je sais où je vais aller. Hein. Et ça, par contre, ça ne m'enchante guère. On va quand même faire gaffe. Hein. Putain, dommage, j'aurais pu lui tirer dedans. Ah, lui par contre, toi tu veux pas y couper toi. Ah si, il y a coupé en plus, saloperie. Je suis deg.
Où est-ce que j'ai débarqué encore? Attends, on va voir après pour le pont, il y avait un autre passage. D'accord. Alors ça c'est d'où je suis arrivé. Ok, ok, ok. Je me suis perdu. C'est vrai qu'il y avait un truc avec ces hôtels à faire, mais... Non? Rien? Et... Ah bon, c'est clair, c'est le pont. Parce que là, on revient en arrière, on est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, oh non, j'aurais dû prendre le pont. Attends, 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 qu'est-ce que j'ai fait comme délire hein? Comment j'ai fait pour le trouver ce foutu pont? Attends, j'étais passé par là, ça c'est sûr. Et par là, par là, par là. Mais oui. Il y a de la hauteur, hein. Donc ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Quoi? Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Qu'est-ce qui se passe? Je me tape un trip. Je sens pas le coin. Ok. Peut-être, hein. Ouais, qu'il se passe des choses bizarres quand même. Qu'est-ce qui se passe?
Là, c'est pas une descente aux enfers, c'est une montée aux enfers. Spécial. Ah, on y est, on y est. Ah, j'attendais ce moment-là. Bah, t'es moi le délire de l'endroit. C'est quand même la grande classe. Hein. Ah, les artistes designers de cet endroit encore. C'est un truc de fou furieux. Bah écoutez, c'est tellement un truc de fou furieux qu'on va se faire une petite pause. Hein. Et puis là, bah, on va s'attaquer à la maison de Beneviento. Au secours. Ça va être l'horreur à l'état pur. Allez, tchuss.